Salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 1 de Switch test, le numéro 11. On va se secouer la bouteille, comme on dit. On va faire une sous-pression d'un soda. Donc, je vais jouer tout seul parce qu'il ne demande qu'un seul joueur. Et le truc, bon, évidemment, on pourra aussi le faire en live aussi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est tout simplement de secouer la bouteille de champagne et après de la passer à son voisin et qu'il fasse la même chose jusqu'à savoir qui aura le. On aura la bouteille au moment où la pression, bah, ça va faire péter le bouchon en fait. Donc on va tester, je me munis toujours d'une manette, je fais OK et on y va. Donc je vous mets déjà droite. Ceci. Ah, on le bruit, ça fait OK en même temps. Bon, voilà, je peux pas passer à part. C'est parti. Alors, après on la passe au voisin, mais je vais pas vous la passer au voisin, on continue. Ouais, je regarde le joueur, je regarde la télé moi. Bon, il est là, je vais pas vous faire le dessin, ça sert à rien. Ah, disons que je la passe à quelqu'un d'autre. Voilà, je la mets à ma droite. Et la bouteille est faite, voilà. Et normalement, le principe de ce jeu. Santé, on pourrait faire ça pour le jour de l'an, éventuellement, ça serait cool. Hein. N'est-ce pas? Voilà, 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 voilà. Donc, hop là. Je reviens sur moi-même. Donc, évidemment, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, on vous montrera ça en mieux parce qu'on va jouer à 3. Donc, on va pouvoir passer la manette à 3. Ça va être beaucoup mieux. On va savoir qui va faire sauter la bouteille en dernier. Donc on verra ça par nous-mêmes au mois de juillet en coop tout simplement. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. C'était Fabien, à plus.